Nous venons de descendre de l'avion à l'aéroport de Porto, en route vers notre hôtel pour un séjour de 3 nuits. Aujourd'hui, c'est tellement court, là. On sera à l'hôtel en moins de 30 minutes. Donc, pour ces 2 journées-là, je demanderai de vous placer comme vous voulez. Moi, je vais m'installer. Demain, vous m'apportez, José, un micro qui va être branché dans le mur côté droit. Je m'assois, moi, à droite, mais à gauche, c'est libre. Je suis certaine, les gens qui sont là aujourd'hui, demain, je ne les verrai pas là, mais c'est un truc là. Et puis, pour aller au Majestic Café dont je parlais, c'est un hôtel qui appartient à une chaîne des petits hôtels prestigieux dans le monde. Vous lirez. Cette ville se fait en longeant le fleuve Douro, renommé pour ses vignobles. L'enchevêtrement des bâtiments se fait en escalier de part et d'autre du grand fleuve. Passer sous les nombreux ponts, comme celui aujourd'hui inopérant, construit selon un design de Gustave Eiffel, le concepteur de la tour Eiffel à Paris. De Portugal. A construção metálica é contra um fio forjado no Pirine. This metal bridge was inaugurated in 1886 and is the work of the Belgian engineer Teofilo Selvig, a student of Gustav Eiffel's school. Even today, it still holds the world record for the bridge with the least number of inaugurated in the history of the country. It was inaugurated in the middle of the 1880s. Aún en la actualidad, es un título del mundo con mayor alto nivel de forjado del mundo. The fruits are seen to be in the evening, to see if you are part of the bell. Al frente del puente de Doña María Pía, que fue diseñado por Gustav Eiffel, tal como la Torre Eiffel en París. En 1877, el transporte ferroviario y fue desactivado en 1921. The oldest of the 6 bridges of Oporto, the Maria Pia is considered to be a national monument. Pour la ville, le 24 juin 1991.
Al frente tenemos el puente de São João. Este puente ferroviario vino a sustituir al puente de la María Pía. Fue inaugurado en el día de San Juan, São João en portugués, el patrono de la ciudad, en el día 24 de junio de 1991. Pour recueillir et éviter les enfants abandonnés de la ville. Suscription à l'édifice d'avant. Et c'est un peu de l'âge de vie de la ville. C'est le fond de la ville de la ville de la ville. Il y a un peu de temps, et 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 il y a un peu de temps. Saint Julien du quartier Villa-Lumière en bord de fleuve. Ce quartier du centre historique de Porto est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Ahora à la droite, bonjour, bienvenue à l'UNESCO. 50 jours pour commencer. Ça vibre. Ça vibre aussi. Toujours à droite, l'église de la Savoie se distingue par son panneau d'Axonerto où figure l'enfant de Mérite. On dit le navigateur, il y a des grandes découvertes maritimes. Et Saint-Colino, le saint patron de notre famille, est en train de la vie. Le grand impulsion de nos descobrimientos, Saint-Colino. Notre retour sur Terre, nous entreprenons une longue marche dans la ville, découvrant ses places et ses monuments, dont la majestueuse place de l'Hôtel de Ville. Ça veut dire que l'hôtel est à côté, à gauche, loin. Puis demain matin, on va marcher à droite avec la guide. On voit la belle horloge à droite. C'est ça notre truc. Demain soir, c'est libre. On va faire un tour, prendre des photos.